Nathan. Allez, grimpe. Dépêche-toi. Je vous écoute. Oui, allô, c'est la police. Je vous entends mal, parlez plus fort. Allô, il est à l'appareil. Allô, vous êtes toujours là? Nous sommes les fils de... José et Kitty Menendez. Non, Eric, non! Il vient de rentrer, on n'a rien entendu. Eric, non, ne t'approche pas. Je ne comprends rien. Envoyez une ambulance, je vous en prie, envoyez une ambulance. Pouvez-vous m'expliquer? Ils ont tiré, ils ont tué nos parents. S'il vous plaît, parlez plus fort. Oh, Seigneur. Allô, vous m'entendez? Parlez, s'il vous plaît. Allô? Allô? Allô, centrale, ici, voiture 3. Et oui, on est sur place. Ils arrivent ou quoi? On expédie les corps à la mort. Attends. Quand on est arrivé au palace, c'était complet. Alors on est retourné voir Batman. On aurait dû rester à la maison. C'était où, Batman? Au ceinturier 21, je crois. Non, plutôt au ceinturier 14, je sais plus trop. Vous étiez avec qui? Avec mon frère. En revenant après le film, la grille était ouverte. Quand on est entré, j'ai senti une odeur de fumée. Vous soupçonnez quelqu'un? Ma famille n'a aucun ennemi. Mon frère aurait peut-être une idée. Pas de détails particuliers dont vous souhaiteriez nous parler? Mon père était un des dirigeants de Live Entertainment. Il était plutôt retors en affaires. Ses activités l'amenaient parfois à traiter avec des gens douteux sur tous les plans. Alors vous savez, c'est peut-être en rapport avec les affaires. On vous tiendra au courant du déroulement de l'enquête. Alors, n'hésitez pas à nous appeler en cas de besoin. Oui, monsieur. Je vous remercie. Bon courage. Merci. Au revoir, monsieur. Il va bien falloir qu'on retourne là-bas. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment choisi pour y aller? Tu fais ce que tu veux, moi j'y vais. Je peux vous aider, monsieur Mendes? Mon frère a des choses à prendre dans sa voiture. On peut y aller? Oui, oui, allez-y. Un peu, Lyle. Merci. Je vous en prie. Nous disons donc une Rolex en or, modèle président, qui est au prix de 11 250 $, plus le modèle de plongée en acier inoxydable et la troisième Rolex. Oh, et n'oubliez pas non plus le porte-billet. Ce qui vous fait, y compris les taxes, un total de 14 370 $ et 53 cents. Par chèque ou carte de crédit? Je souhaiterais avoir des clients comme vous tous les jours. Je peux téléphoner? Bien sûr. Allô? Ouais, oncle Carlos, c'est moi. Je suis au Monaco, là. Ouais, c'est ça. Je voulais te dire, je me suis acheté une Rolex. Je pense que pour l'enterrement, ce sera mieux. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Pas mal de gens importants vont y assister. Tes parents ne sont morts que depuis 4 jours. Ça m'étonnerait que la famille apprécie. Ouais, je vais y réfléchir.
Ne me fais pas sursauter comme ça. Détends-toi. Je voulais juste te dire que le cousin avait apporté les billets d'avion. Je vais avoir besoin d'un autre sac. T'as qu'à prendre celui de papa. Non, pas question. Je vais m'en acheter un neuf. Il aimerait que tu t'en serves. Et puis, dans le New Jersey, personne ne risque de le reconnaître. Je ne vois pas pourquoi on ne fait pas la cérémonie principale ici. Parce qu'ici, à Los Angeles, on dit une messe à cause des relations d'affaires. Mais on l'enterre dans l'Est parce que toute la famille s'y trouve. Tu veux aller à Princeton pour voir tes vieux copains, c'est tout. Tu délires. Papa était bien là-bas. Il adorait ce campus. Réfléchis, mon vieux. Il faut faire plaisir à la famille. Tu comprends? Hein? Ouais, si tu le dis. Aéroport international de Newark, New Jersey. Richard Benkowski, je suis votre garde du corps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes armé? Toujours. Parfait. La voiture est blindée? Non, on n'en a pas ici. On pourrait en fournir une de New York, si vous le voulez, mais ça coûtera beaucoup plus cher. C'est la société de mon père qui paye. Je suppose qu'ils tiennent à ce qu'on reste en vie. Un second véhicule nous suit en permanence au cas où il se produirait un incident. Tant mieux. Chez nous, la police pense que c'est un coup de la mafia. Alors, on a peur qu'on nous ait suivis jusqu'ici. Ne vous inquiétez pas, toutes les précautions sont prises. Regardez la télé quand ils ont été tués. Chapelle de l'université de Princeton. Il m'avait adressé une lettre à laquelle je tiens beaucoup. Je vais vous la lire. Cher fils, tu n'ignores pas que la famille a toujours joué le rôle le plus important dans ma vie. Je souhaite qu'il en soit de même pour toi. Tu as toute ma confiance, ton frère Eric également. Je vous engage l'un et l'autre à ne pas choisir la voie de la facilité. L'avenir n'appartient pas seulement aux plus brillants, mais à ceux qui sont les plus déterminés. Je te quitte parce que j'ai du travail. C'était tout à fait lui, ça. Baiser tombé. Lyle et moi, nous vous aimons tous beaucoup. Et vous êtes la seule famille qui nous reste désormais. Là, c'est le dortoir. J'y couchais quand je vivais là. Les fiestas qu'on a faites. Pourquoi vous êtes parti? C'était ma première année, j'étais encore bisu et on m'a surpris à copier sur mon voisin. Ils vous ont vidé pour ça? Ouais. En apprenant la nouvelle, mon père avait pris le premier avion pour plaider ma cause chez le recteur de l'université. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? J'étais suspendu pour un an. Il était effondré. Il a craqué dans le bureau du recteur. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Salut les gars. Content de vous voir. Ça va, c'est bon. Ouais. Alors, comment ça va? On peut aller. Au fait... la cérémonie était super. Ton père aurait été fier de toi. Merci, merci. Oui. Tu sais que mon père adorait Princeton. Ma mère avait des pressentiments comme si elle sentait un danger imminent. Elle était obsédée par l'idée qu'on allait venir lui faire du mal et elle fermait toutes les portes à clé. Ouais, elle écrivait des mots qu'elle laissait partout. Elle parlait de sa mort. Et je suppose que c'est pas marrant de vivre dans cette maison maintenant. Je suis sûr que vous n'êtes pas pressé d'entrer. Si, moi je repars demain matin. Quoi? Pourquoi tu veux rentrer si vite? On doit réfléchir pour prendre un nouveau départ, Eric. C'est l'endroit parfait pour faire ça, ici. Là, il a raison. Et votre famille est là? Je n'ai pas besoin de traverser tout le pays pour avoir les idées plus nettes. Ça va aller. Il a les nerfs à vif, c'est normal, il ne sait plus où il en est. Hier soir, avec mon cousin, on a fait une bombe du tonnerre. Vous désirez? Carlos Parol.
Oncle Carlos, merci d'être venu si vite. Ah, préviens-moi quand même avant, la prochaine fois. Les banques sont pas ouvertes 24 heures sur 24. Tu sais, j'ai l'intention de m'installer par ici. J'y pense de plus en plus. Je crois que je me sentirais mieux loin de Los Angeles. D'ailleurs, tout à l'heure, je m'apprête à faire un petit placement immobilier. Mais tu sais qu'en tant qu'exécuteur testamentaire, tu dois me tenir informé. Je prends la suite de mon père, c'est pas interdit. Fais ton chemin tout seul, Lyle. N'enfile pas les chaussures de ton père. Je crois que t'as pas compris. J'y suis déjà dans ces chaussures. Ouais. 64 273. Je suis pas content. Allô? Ouais, c'est moi. Mais où est-ce que t'étais passé? Depuis ce matin, j'essaie de te joindre. Eh ben, c'est fait. Il faut que tu rentres à la maison d'urgence. Ça me tente pas, les choses se présentent bien pour moi ici. On a un problème. Et même un gros problème. Alors je t'attends. Non. C'est ces différents codes pour le sortir, mais il n'y a rien à faire, ça reste bloqué. Il n'y a peut-être pas d'autres testaments. Alors pourquoi la famille prétendrait le contraire, jusqu'à la police qui pose des questions? Au départ, c'était nous les héritiers légaux après la mort de maman. Au départ, oui, mais j'ai entendu papa parler de tante Martha. Et de modification des clauses testamentaires, notamment en faveur de grand-mère. N'importe quoi. S'il a fait un codicille, ça n'avait rien à voir avec grand-mère, Eric. Il était furieux qu'on m'ait viré de Princeton. Et il n'était pas non plus spécialement fier de toi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'après le drame qu'on a vécu, je n'ai pas l'intention de m'en sortir les mains vides. Bon. Eh bien, on va faire appel à un expert. Les textes sont altérés, comme si on avait tenté de les pirater. Ouais. Il faudrait au moins 24 heures pour pouvoir les reconstituer. Est-ce que ça en vaut la peine? Écoutez, je tiens pas à les reconstituer. Je veux les effacer de la mémoire. On va vendre l'ordinateur et je préfère ne pas laisser des dossiers touchant la famille sur le disque dur. Vous pourriez les effacer? Bien sûr. Le ministère de la Défense me confie souvent ce type d'opération. Je suis un expert en la matière. Dans quelques minutes, le disque dur sera complètement effacé. Génial. La récompense du gagnant sera de pouvoir exiger tout ce qu'il voudra du perdant. Mais attention, hein, le perdant ne pourra absolument rien lui refuser. D'accord? Ouais. Pas dans le grand bain, pas. Allez, vas-y, plonge. J'ai peur dans le grand bain, pas. Je t'assure, j'ai peur. Mon papa. Vous êtes prêts? À vos marques, partez! Allô, Rick, du courage! Non, pas vers le bord, pas vers moi! La tête dans l'eau, dans le prolongement du corps! Mon frère va gagner! Tire sur les bras! Allez, tire dessus! Avance! Allez! Et tout, papa! Continue, tu vas y arriver, Rick! Tu peux y arriver! Papa! Aide-moi! Personne ne va t'aider, Rick! Benoît! Là, il doit pouvoir s'en sortir tout seul, sinon il n'apprendra jamais à nager. T'inquiète pas, c'est fini, je suis là maintenant. Zoller vient de téléphoner. Il veut absolument nous voir tout de suite au commissariat. Allez, avance-toi. Je vais vous expliquer ce que t'as fait hier soir. On a interrogé nos indicateurs, mais sans aucun résultat exploitable. Est-ce que vous croyez toujours que c'est un coup de la mafia? Oui, pas vous?
Vous n'avez rien trouvé du côté des associés de mon père? On a enquêté sur les noms que vous nous avez donnés, Bruce Fermate, Ellen Custard, et jusqu'à maintenant, rien ne nous autorise à les soupçonner. Mais à votre avis, il s'agit quand même de quelqu'un qui devait bien les connaître? Oui, sans doute. Parce qu'il ne semble pas que vos parents se soient battus contre l'agresseur. Ouais, boum, boum. Est-ce que vous auriez gardé les tickets du cinéma où vous êtes allé le soir du crime? Non, je l'ai jeté. Oui, moi aussi. Oui. Que question de routine. En matière criminelle, on examine toutes les pistes. Voilà, c'était simplement pour vous tenir au courant. Je vous demanderai de nous téléphoner si vous vous rappelez un détail. C'est évident. Bien sûr. On vous laisse. On vous appellera. C'est ça, au revoir. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça fait 6 semaines qu'on les appelle pour cette interview. Ils pourraient quand même être à l'heure, c'est la moindre des choses. Déjà 3 quarts d'heure qu'on pourra, ils nous ont sûrement oublié. On les a fait suffisamment attendre. Ouais. Faut jamais désespérer. Mon père avait acheté cette maison surtout à cause des sols en marbre. Papa adorait le marbre. Oui, c'est un marbre qui vient spécialement d'Italie. J'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de la manière dont la police traite cette affaire? Si l'objectif du Time, c'est de commenter leur enquête, alors ça ne m'intéresse pas. Et puis-je savoir pourquoi? Parce que j'en ai assez de lire des inepties, trop de rumeurs, trop de on-dit, pas de preuves. Qu'on nous laisse en paix, on ne demande rien d'autre. On en a assez bavé, je crois qu'on a le droit de vivre. Et vous pouvez mettre ça dans votre article. De la cuisine, on a une vue superbe, si vous voulez nous suivre. Je suppose que vous devez avoir votre idée personnelle sur ce qui s'est réellement passé. À mon avis, il est mort pour avoir refusé de coopérer avec l'organisation du crime. Mais ce n'est qu'une hypothèse. C'est pas forcément un parrain. Ça peut être une petite pointure qui a pu se sentir flouée au cours d'une transaction. Encore que l'argent ne soit pas toujours le mobile d'un crime. Il n'arrive qu'on tue par vengeance personnelle. On continue la visite? Est-ce que c'est là qu'ils ont été tués? Vous voulez voir? Oh non, Lyle. Lyle! Comment avez-vous réagi après les meurtres? Moi, j'ai fait une crise de convulsion. J'avais toujours cru que mon père était immortel. Oui, après que... quand l'effet de choc a disparu, curieusement... je suis entré dans la peau de mon père, ou lui dans la mienne, je sais pas trop. J'ai pris la position de chef de famille. Le flambeau avait été passé. J'ai de la peine, mais pas seulement pour moi. C'est surtout pour son œuvre inachevée, comme Kennedy ou Martin Luther King. Mon père était un visionnaire avant tout. Sa perte est immense pour notre pays, encore plus que pour sa famille. Enfin, du moins, c'est comme ça que nous la ressentons, mon frère et moi. Vous voulez voir le tennis? Il est superbe. Maintenant, vous allez être obligé d'affronter la vie sans que vos parents soient là pour vous guider. Est-ce que vous avez des projets? Je pense qu'on va poursuivre nos carrières de professionnels dans le tennis, s'entraîner, faire des tournois. Ce n'est pas un parcours facile. Mais peut-être qu'avant 1 an ou 2, vous écrirez un article sur nous. Non, plus à gauche. Pas celui-là, l'autre. Voilà, c'est ça, c'est bon. Ça vous convient? Oh. Mm-hmm. Ça me plaît. Merci. Je suis extrêmement fier. Mon fils va entrer à Princeton. Papa. Non, 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 non. Vous savez, il a reçu sa lettre d'agrément hier, juste hier. L'université la plus prestigieuse de l'Est, hein? Pas d'école d'État pour mon fils, pas pour le fils de José. Un Menendez se doit de suivre un parcours royal. Allez, viens. Tu sais, Lyle, tu es dans la digne tradition de tes aïeux, tu leur emboîtes le pas. Ton arrière-arrière-grand-père était diplômé du Massachusetts et ton arrière-grand-père était professeur de médecine à l'université de La Havane. Excuse-moi.
Oui. Ah, passez-le-moi. Ah oui, j'ai lu votre projet. Que je n'ai pas reçu à temps, d'ailleurs. Mal écrit, en plus, dans un jargon plus que primaire, et ne comptez pas sur moi pour signer cette ineptie. N'essayez pas de justifier votre incompétence. Cette société était au bord de la faillite avant que je n'entre au conseil. Depuis, j'ai inscrit 8 millions dans la colonne profit. Je veux ce projet revu et corrigé ce soir sur mon bureau. Sinon, inutile de vous présenter ici demain, compris? Bien. Ah, à propos, mes hommages à votre femme. Quand on n'a pas d'ambition dans la vie... Ah oui, autant dire qu'on a perdu d'avance. Tu es fait pour les affaires, Lyle, et je te prédis un grand avenir. Lyle, alors ça va? Salut. Pas mal ici. Ouais, je trouve aussi. C'est un décorateur qui m'a fait ça et je vais te dire un truc, Greg. Je vais faire fortune et c'est pas des paroles en l'air. D'ailleurs, j'ai conclu ma première affaire. Le Café Cody est officiellement à moi maintenant. Toutes mes félicitations, bravo. Merci. Au fait, combien tu l'as payé? 550 000 dollars. Je leur ai fait pisser le sang en négociant. Quoi? C'est toi qui as pissé le sang. Non, parce que le bruit court que l'affaire était déjà sur le marché il y a pas longtemps pour un prix de 200 000 dollars. T'es racontard. D'abord, qu'est-ce que t'en sais? Rien du tout, c'est une rumeur sans plus. Ouais. Toutes mes félicitations pour ton affaire de restaurant. Oncle Carlos vient juste de m'appeler. Ouais, ouais. Le fric va bientôt couler à flot. Et ton promoteur de concert, où t'en es au juste avec lui? Il a quitté la ville sans prévenir. Donner 40 000 dollars pour monter un show au Palladium. Oui, je sais bien, et alors on peut commettre une erreur, c'est pas la fin du monde. Non. Non, c'est pas une erreur, c'est dramatique. Eric, écoute-moi. Avant de jeter ton fric par la fenêtre, tu ferais bien de réfléchir, parce qu'il durera pas éternellement. Ça, c'est la meilleure. Tu as investi une fortune dans l'achat d'un café à la mode, et moi j'ai seulement investi 40 billets. Mais tu les as pas investis, mon vieux, tu les as perdus, tes 40 billets. Allez, je te laisse. Oui, elle est en communication. Vous voulez patienter une minute? Oui, vous voulez le voir à quel sujet exactement? On écrit un article sur les Menendez. On arrive de Princeton, où on a rencontré un ami de Lyle Menendez. Il nous a dit que Lyle avait dû rentrer à Los Angeles en raison d'un problème avec le testament paternel. Qu'est-ce que vous en dites? Vous confirmez les faits? Non, je suis pas au courant d'un deuxième testament. On projette devant de l'ordinateur, alors là, il a cru bon d'effacer la mémoire centrale. Comme si nos affaires de famille intéressaient quelqu'un. Il y a de l'eau dans le gaz entre vous deux? Pas vraiment, mais il dépense beaucoup d'argent, ce qu'il regarde. Mais il dépense le mien aussi. Exactement comme mon père. Si vous avez des choses à nous dire, c'est peut-être le moment. Vous vous rappelez les deux reporters du Times? Ils préparent actuellement un article laissant entendre que vous deux, Lyle en particulier, seriez suspect. Croyez-vous que Lyle serait impliqué dans l'affaire? Qu'il aurait commandité un tueur? Mais non, bien sûr que non! Écoutez, on m'attend, je dois filer. On tâchera d'être plus coopératif à l'avenir. J'en parlerai à Lyle. Je vous donne ma parole. Un des gardes va vous reconduire maintenant. Greg, où est Lyle? Je dois lui parler. Non, c'est urgent. Lyle, la police croit que c'est nous. Oui. Eric. Eric. C'est toi? Papa. Eric. Papa. C'est moi. Ça va pas? Oh, je suis content de te voir. Allez, t'en fais pas, petit frère. Hein? Tu veux maigrir? Oui, je fais tout pour ça. Eric, à quoi tu joues, là?
Ton poids est normal. Écoute, je vais retrouver une bande de copains au restaurant à la Marée. Pourquoi est-ce que tu viens pas avec nous? Bon, pas, ça te ferait pas de mal. J'ai rendez-vous avec le docteur Rosiel. Écoute, maman et papa sont morts. T'as plus de raison d'aller voir le psy. Ce n'est pas aussi simple. Et bien sûr que t'as rien à me dire. Je vais très bien, t'occupe pas de moi. Je m'aperçois que je compte de plus en plus sur mon frère. Je n'aime pas ça. J'ai peut-être besoin de prendre des médicaments. Nous verrons cela en temps utile. Dites-moi, vous avez retrouvé le sommeil? Oui, mais je fais toujours le même rêve. Je vois le visage de mes parents, plein de sang, défiguré, avec un rictus. Respirez bien, Eric. Est-ce qu'on peut... On peut sortir dans le jardin et marcher un peu? Ce que j'ai à vous dire est important, mais ça me gêne ici. Allez-y, je suis prêt à vous écouter. Vos parents? Allons poursuivre cette conversation à l'intérieur. Venez. Quelques jours plus tard, nous sommes allés à San Diego pour acheter des fusils. Avec une carte d'identité que Lyle avait subtilisée à un ami de Princeton. Nous sommes allés au salon. Ils étaient assis tous les deux sur le sofa. En nous voyant armés, ils ont été surpris. On a commencé à tirer sur mon père. Après sur ma mère qui est tombée par terre. La décharge ne l'a pas tuée. Elle se traînait en gémissant, toute sanguinolente. Elle cherchait à fuir. Après, on est ressorti et on a rechargé le fusil de Lyle. On est revenu au salon. Lyle lui a donné le coup de grâce. Lyle est-il au courant que vous êtes venu me le dire? Il me tuerait s'il l'apprenait. Je crois qu'il est important qu'il le sache. Est-ce que vous m'autorisez à l'appeler? Alors, chérie, on y va? Judalon. On est déjà en retard. Attends, je vais avoir besoin de toi. Eric Menendez est dans mon cabinet. Il vient de m'avouer avoir tué ses parents. Quoi? J'attends Lyle d'une minute à l'autre. Toi, reste là comme si tu étais une de mes patientes. Je laisserai la porte entrouverte. Si tu entends quoi que ce soit qui te semble bizarre, tu appelles la police. Chérie. Pour comprendre ce qui se passe, je veux voir ses yeux quand Eric lui dira qu'il m'a tout avoué. Et j'ignore comment il va réagir. Il est possible qu'il s'en prenne à son frère, ou même à moi. Je veillerai à ce qu'il me laisse enregistrer l'entretien. Tu t'assieds là, ne bouge pas, il faut que j'y retourne. Sois prudent. Ça fait longtemps que vous attendez? Vous connaissez les médecins. Je vous en prie, là, il entrait. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Écoute, j'en pouvais plus. Ce n'est plus un crime parfait maintenant, Eric. Et comment être sûr que ce psy ne va pas prévenir la police ou même la presse?
On est à sa merci maintenant qu'il est au courant de ce qui s'est passé. Je suis tenu au secret professionnel. Je n'accepte pas qu'on s'immisce dans ma vie privée. C'est pour ça que j'ai tué mes parents, pour commencer. Écoutez, s'il arrivait que vous passiez aux assises, je serais en mesure de faire valoir à la cour les différents motifs attachés à l'environnement familial, susceptibles de vous avoir conduit à cette extrémité. Vous parleriez de la haine et des tortures physiques? Exactement. Mais dans cette affaire, plus vous m'en direz, mieux je serai armé pour vous défendre. Eric éprouve une sorte de culpabilité, considérant les millions hérités de vos parents. Est-ce votre cas aussi? On n'a pas fait ça pour l'argent. De toute façon, mon père avait l'intention de nous déshériter. Alors pourquoi l'avoir tué? Parce qu'il nous traitait comme une race inférieure. Quoi qu'on ait pu faire, ça ne répondait jamais à ses espérances. C'est peut-être ça qu'il attendait de nous. Il aurait été fier qu'on prenne la décision de le tuer. Ça vous arrive quelquefois de penser à lui? Oui, bien sûr. En me félicitant d'en être débarrassé. Comme on abat un chien enragé. C'est une comparaison qui s'impose. Oh, Lyle. Eric! On n'a plus rien à faire ici. Allez, viens. Ça me gêne un peu de laisser la situation en suspens. Ça, docteur, c'est votre problème. Lyle, je pense qu'il a raison. La ferme! La ferme! C'est moi qui dirige les opérations, c'est clair? Arrête de me dire ce que j'ai à faire! Eric! Mon frère a besoin de moi. Vous allez revenir tous les deux pour finir cette séance. Vous n'avez pas peur? Je n'ai jamais été impressionnable. Mon père non plus, docteur. Bonne chance, docteur Rosier. Judalone, je suis désolé, on ne pourra pas se voir ce soir. Il faut absolument que j'appelle ma femme. Les Menendez connaissent malheureusement notre adresse. Jérôme, tu devrais prévenir la police. C'est impossible, ce sont mes patients, l'entretien est confidentiel. Tu es dégagé du secret à partir du moment où il t'a menacé. Je ne sais pas ce que je vais faire, je dois réfléchir. Tu n'as rien arrangé du tout. J'ai agi au mieux de nos intérêts. Il fallait que je lui foute la trouille pour le faire taire. Comme ça, ça nous laisse le temps de trouver une solution. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas confiance en lui. Il nous a même facturé son déplacement pour avoir assisté à l'enterrement. Quand même un comble, ça. Toi, tu vas quitter la ville. Il y a des tournois à l'étranger, tu vas t'inscrire. Ça va te changer les idées, t'en as besoin. Moi, je repars dans l'Est, ça va déjà nous laisser un répit. Et surtout, tu ne parles à personne. Et si tu as des remords, eh ben, tu te les avales. Allez, viens. Immédiatement. Et dis donc, tu as le bureau du procureur sur la une. Allô? Écoutez, dites à Madame Bozanic que sur l'affaire des frères Menendez, je n'ai rien de neuf. Mais si elle veut venir pour me passer un savon, je suis là tout l'après-midi. Inspecteur Zoller? Oui, vous désirez? Je m'appelle Judalone Smith. Je suis une amie de Jérôme Oziel. Ah oui, le psy des frères Menendez. C'est ça. J'ai longuement hésité avant de venir vous voir. J'ai surpris une altercation chez le docteur Oziel. C'était une dispute entre Lai et Eric. Jerry était tellement horrifié par ce qu'il a entendu qu'il a acheté une arme pour se protéger. Eric lui a tout avoué sur le meurtre de ses parents. Et Jerry a enregistré tous ses aveux. Les mains sur la tête! Avancez! Allongez-vous par terre face au sol! Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de ne pas répondre. Mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous par la cour. Bonjour, oncle Carlos.
Le tournoi se passe très bien. Je suis arrivé en finale. Pardon? Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? J'ai du mal à t'entendre. Quoi? Ils ont les enregistrements de nos séances. Quand l'ont-ils arrêté? Aéroport international de Los Angeles. Salut Eric. Donnez votre sac. Ça ne sert à rien de me passer les menottes. Je suis désolé, Eric. Le règlement l'exige. Haute cour de Los Angeles. Ah, dis donc, j'étais mieux à Jérusalem. Je déclare l'audience ouverte. Accusé, levez-vous. Eric Eli Menendez, vous êtes devant cette cour pour répondre au chef d'accusation de meurtre au premier degré, avec circonstances aggravantes. Vous savez que si la preuve en est faite, vous êtes passible de la peine de mort. Oui, votre honneur. Trois ans plus tard. Je tiens à rappeler que nous avons désigné deux jurys pour faire la lumière sur cette affaire, puisque certaines preuves ne concernent que l'un ou l'autre des deux prévenus. La parole est maintenant à l'accusation, Madame Bozanich. Au cours de ce procès, nous prouverons à la cour que Lyle Menendez avait prémédité ces meurtres, avec son frère Eric, que tous les deux ont utilisé une fausse identité pour se procurer les fusils incognito, qu'ils ont prévu un alibi, et qu'ensuite, ils s'apprêtaient à dépenser la fortune ainsi acquise par l'assassinat de leurs parents. J'ajoute que, mis à part quelques erreurs commises par les frères Menendez, ce crime aurait pu être ce qu'on appelle un crime parfait. Madame Lansing. L'accusation souhaiterait convaincre les jurés que mon client, Lyle Menendez, aurait assassiné ses parents en vue d'en hériter et en réalisant un crime parfait. Ce qui pourrait impliquer qu'il eût agi sous l'emprise de la haine. Mais la défense prouvera clairement que cet acte est une conséquence de la panique. Ce procès va nous emmener dans les coulisses un peu obscures des nantis de ce monde. Il va lever le voile sur la vie qu'ont dû subir Lyle et son frère dès leur enfance. Pendant 12 ans, de sa 6e à sa 18e année, mon client Eric Menendez a été sexuellement molesté par son père. Tout a commencé avec des attouchements douteux et l'escalade s'est poursuivie suivant un plan savamment calculé qui visait à modeler l'enfant, à la servir à la luxure paternelle. Le père contraignant le fils à des fellations répétées avant de se livrer, sur lui, à la sodomie. Il existe un autre aspect de la perversité caractérielle de José Menendez. C'est son besoin absolu de contrôler et de manipuler les agissements de ses proches. Eric a eu le triste privilège de connaître la morbidité de son père à son égard. Car cet homme utilisait pour torturer son fils une grande variété d'objets. Aiguilles, clous, instruments de bois, fouets et cravaches. Pour reprendre un mot d'Eric, c'était sa période noire. Il est une question que je vous invite à vous poser. Pourquoi Kitty Menendez n'est-elle jamais entrée dans la chambre de son fils quand son père s'y trouvait? Quel genre de mère était-elle? Elle et José avaient à plusieurs reprises empêché Eric de s'enfuir, en lui disant qu'il le retrouverait où qu'il aille. Qu'il n'avait aucune chance de leur échapper, ni de survivre sans eux de toute façon. Eric comprit rapidement qu'il n'avait rien à attendre des adultes. Alors il chercha du secours auprès de son grand frère. Le dimanche 20 août 1989, Eric sentit que le piège se refermait autour de lui. Des mots, des sous-entendus l'amenèrent à penser que son père et sa mère étaient sur le point de le tuer. Alors il a réagi sous l'effet de la terreur, d'une panique viscérale, en vidant le chargeur jusqu'à la dernière cartouche comme pour exorciser le mal qu'il avait détruit.
Sous prétexte que ses parents étaient riches, l'accusation nous affirme que l'argent est le mobile. Sur quoi se fonde-t-elle quand le parricide est un pauvre? Depuis quand connaissez-vous Eric, monsieur Signorelli? Nous étions au collège ensemble en 1987. Ses parents venaient tout juste d'emménager ici. On était dans la même équipe de tennis et on a immédiatement sympathisé. Quel genre de goût aviez-vous en commun, indépendamment du tennis? On allait se promener dans les collines et on parlait de nos projets d'avenir. Le moment parfait, c'est quoi pour toi? Un face-à-face avec la nature. Le souffle du vent dans les cheveux. Perché dans les cimes et à l'écart du monde. Et la femme parfaite? Blonde, les yeux bleus, plutôt mince, assez grande, la peau douce. Et le crime parfait? Un casse de banque? Non, un meurtre. Tellement tordu que les soupçons s'égarent? Non, ça n'a aucune importance. C'est le raffinement dans l'exécution qui importe. Quand l'audace approche les sommets, le crime relève du grand art. Il faut du doigté pour ça. Crois-moi. Après la nuit du 20 août, est-ce qu'il vous a parlé des assassinats? Oui, nous étions tous les deux à la maison. On se dirigeait vers le salon et en ouvrant la porte, il m'a dit... Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ben oui. Ce jour-là, on était rentré à la maison avec mon frère après être allé au cinéma voir un film. Un peu plus tard dans la soirée, je l'ai trouvé devant la porte avec deux fusils. Et il a dit, c'est maintenant. Les portes du grand salon étaient légèrement entrouvertes. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu mes parents assis sur le divan. Là, il a brusquement ouvert et tiré sur lui. Et il a dit, tire sur maman. J'ai tiré. Alors, elle s'est levée, elle s'est mise à hurler. Tu sais, les grands hommes n'ont pas de parents. Où t'as vu ça? Hitler, Alexandre le Grand. C'est pas qu'ils n'avaient pas de parents, mais ou ils étaient morts, ou ils ont été obligés de se débrouiller sans eux. Est-ce que ça te dirait une partie d'échecs? Vous étiez outré que la police de Beverly Hills ait dit à votre mère que vous étiez suspect. Et en réponse, vous lui avez envoyé ce fax. Pièce numéro 48. Mais au lieu de le signer de votre vrai nom, vous avez utilisé celui d'un personnage de fiction. Hamilton Cromwell, le personnage d'un scénario que nous avions écrit ensemble avec Eric. Quand nos pères liront ce scénario, je ne crois pas me vanter en disant qu'on pourra exiger une avance sur les droits. Voilà, on peut déjà se commander une Mercedes? En attendant, on continue. Hamilton Cromwell vient d'avoir 18 ans. Des cheveux noirs, toujours bien coiffés. Il apparaît comme un personnage mentalement perturbé, mais néanmoins très intelligent. Scène 1. L'intérieur du manoir des Cromwell. À mon fils bien-aimé, Hamilton, je fais don de tous mes biens fonciers, ainsi que de mon compte à numéro en Suisse, soit une somme globale de 157 millions de dollars. C'est un névropathe que la nouvelle rend impatient de toucher l'héritage. Un schizophrène inspiré de Jekyll et Hyde. Hamilton? Bonsoir, père. Chérie, c'est toi? J'ai entendu des bruits et la lumière s'est éteinte. Une panne de secteur. Où es-tu, ma chère mère? Je ne te vois pas. Mon père ne cessait de répéter que j'étais indigne d'être son fils. Alors je m'efforçais chaque jour de m'améliorer pour l'entendre me dire « je t'aime ». Mais aucun de mes efforts ne répondait à ses espérances. Et il n'a jamais prononcé ces mots. Tu survivras, mon ami. Un combattant qui a perdu ses parents demeure un combattant. Je demande le retrait. Peut-on vous parler ? Nous pensons
pensons que ce scénario constitue la preuve que l'idée de meurtre habitait l'accusé depuis des mois. C'est en quelque sorte un plan préliminaire. Ce n'est qu'un exercice d'amateur écrit par deux jeunes gens dans l'élan de l'imagination. Non, je ne puis retenir ce scénario en tant que preuve. L'accusation peut poursuivre. Eric vous a-t-il dit qu'il avait agi par légitime défense? Non. Objection! Objection rejetée. Vous a-t-il dit qu'il était victime d'abus sexuels? Non. Pas d'autres questions? Aviez-vous remarqué chez le père d'Eric un comportement hargneux à l'égard de son fils, notamment quand vous disputiez des tournois avec lui? Il lui disait « t'as besoin de t'améliorer ». Souvent, il le critiquait pour le stimuler, comme la plupart des parents. Les parents critiquent fréquemment leurs enfants, surtout en public? À Beverly Hills, oui. Drôle de parents à Beverly Hills. Plus haut la balle pour servir! Et suis au filet! Suis au filet! Il travaille beaucoup son service, monsieur Menendez. Apparemment encore insuffisamment, Craig. Avance sur la balle! Tu entends? Avance! Arrête, laisse-le respirer. Mais non, voyons, il a besoin qu'on le maintienne sous pression sans arrêt. C'est pas un athlète inné comme toi. Plie les genoux! T'arrêtes comme un bout de bois! Lamentable. Te casse pas trop la tête, va. C'était pas les finales. Oui, mais quand même, j'avais pas la forme. La défaite est la juste sanction de celui qui l'a subi. C'est l'apanage des faibles de se complaire dans l'échec. Les forts ne s'apitoient jamais sur leur sort parce qu'ils savent le dominer. Papa, tu pourrais parler moins fort. Pourquoi? Tout le monde a vu que tu es nul. Ça n'est un secret pour personne. Tu vas lui foutre la paix! Toi, dans la voiture. Et toi, tu restes ici. On ne mérite pas de rouler avec moi quand on est perdant. Ne t'avise plus jamais de me reparler sur ce ton. À la maison. Wright, en décembre 88, à l'occasion des fêtes de Noël, vous aviez dîné chez les Menendez. Est-ce que Light vous avait parlé de son père, du moins de son caractère? Il avait essayé, mais j'étais loin de m'attendre à ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Vous me disiez quoi à propos de ce coach, votre prof de tennis, Bradley? Pourquoi il a disparu en cours d'année? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on l'a viré ou... Parce que je crois que vous deux, ça marchait bien avec lui, oui. Non? Oui, ça a marché. Ah, voilà papa. Papa, je te présente Danny Wright, mon copain de chambre. Wright? Votre père est au directoire de Panasonic, j'ai dû le rencontrer. Non, il est mécanicien dans un garage de Cleveland. Ses relations avec Panasonic se bornent à la pose d'autoradio. Désolé. Les garçons ont dû vous parler d'une tradition dans cette maison qui est en vigueur depuis des années. Papa, on ne pourrait pas l'oublier pour une fois. Nous nous plaisons à évoquer les événements d'actualité, politiques ou même historiques pendant le dîner. Sans polémiquer, pour stimuler la conversation. C'est un exercice auquel les parents de José se livraient à Cuba. Mon père avait horreur du temps perdu. Et pour lui, chacune des minutes de la journée était capitale. C'est vrai, ça. Son père était une vraie vedette du foot. Et sa mère, une championne du 100 mètres. On a ici tous les trophées, je vous les ferai voir. Si vous voulez bien, nous allons choisir un sujet. Les Watergate, par exemple.
Je pensais que... nous allions continuer sur la guerre civile. Eh bien, c'est une erreur. Lyle, qui était le secrétaire d'État au commerce sous la présidence de Nixon? Maurice Stans. C'était l'ancien directeur de sa campagne présidentielle. A-t-il été condamné? Oui, à une amende de 5000 dollars. Bravo. Danny, qui appelait-on les plombiers? Les mauvais. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Vous savez, Monsieur Menendez, ce détail m'échappe. J'étudie les arts plastiques. Mais qu'est-ce que vous apprendons à Princeton? Pas... Laisse-le tranquille. Les plombiers, c'était les types qui étaient chargés de poser les micros. Eric, qui était John Mitchell? Le procureur ou peut-être le juge? Je suis extrêmement déçu. Il est peut-être un peu fatigué. Ce n'est pas à toi que je demande de répondre. J'en ai marre de l'interrogatoire. Va dans ta chambre et cherche la réponse. Ça va te coûter 10 dollars par tranche de 2 minutes. Eric. Interroge-le sur Martha Mitchell. Il va sûrement s'en souvenir, parce que c'est elle qui savait où les cadavres avaient été enterrés. C'est pour ça qu'on l'avait droguée et séquestrée dans un hôtel. Elle savait la vérité, Martha. Si tu veux bien, Kitty, c'est à moi de mener les débats. Tu devrais aller remplir ce plat, il est vide. Maintenant, une question très simple, Danny. Qu'est-il advenu du président à la suite du Watergate? Il a été contraint de démissionner? Oui, ça, on le sait. Mais pourquoi? Les retombées politiques. Il a dû démissionner parce que les hommes qui travaillaient pour lui s'étaient fait prendre. Renvoyez aux cuisines où il semble que ce soit ma place. Vous savez, ici, c'est notre place à tous. Tu ne m'avais pas dit qu'on devait sortir. Un administrateur du conseil donne une soirée. J'ai pas eu le temps de me préparer. J'ai passé toute la journée à faire la cuisine pour l'ami de là et je suis même pas coiffée. Regarde-moi ça, j'ai plus rien à mettre. J'y vais tout seul, de toute façon. Tu vas retrouver ta maîtresse. Je t'en prie, ça ne va pas recommencer. Je suis au courant pour Margaret. Je sais qu'elle est belle, qu'elle est jeune. Je suis passée souvent devant chez elle. Je la voyais s'en aller au bureau le matin, je la voyais dans ses petits tailleurs. Chanel ou Balmain, toujours bon chic, bon genre. S'il te plaît, ça suffit maintenant! Et je t'ai vu avec elle, José. Tu ne parles que des autres femmes, mais si on parlait de toi, Kitty. Autrefois, tu passais des heures à soigner ta personne. Et lorsque nous sortions ensemble, ta beauté faisait l'admiration générale. Regarde-toi aujourd'hui. Tu déambules dans cette maison en confondant le jour et la nuit, dans un brouillard rectilique. Tu es devenue une loque humaine. Tu as renoncé à ton rôle d'épouse et à ton rôle de mère, ce qui est infiniment plus grave. Parce que les enfants subissent le contre-coup de la défaillance de leurs parents. T'avais raison pour ton père. J'avais passé des heures à te faire réviser la guerre civile. Il a changé le sujet au dernier moment, rien que pour te prendre en défaut. C'est pas un problème. Si, c'est un problème.
parce que t'es mon ami et tu méritais pas d'être traité comme ça. Je comprends maintenant pourquoi on n'avait pas d'amis quand on était petit. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend donc à Princeton? Chut, le voilà. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi on s'est polarisé là-dessus. Les scandales politiques, c'est pas ce qui manque à Washington. Le Watergate, c'était un événement politique majeur pour déstabiliser le président. Le Watergate visait un objectif différent, pas spécialement la personne en cause, mais le pouvoir. Le pouvoir suppose une certaine morale. Quand on le pervertit par du machiavélisme, il constitue un danger pour la démocratie. Bien, Lyle, j'ai deux mots à te dire. Je te conseille de trouver un autre ami. C'est un faible. Tu n'as rien à espérer de lui. Il n'est pas de ton rang. Pourquoi tu t'obstines à le diminuer? Parce que je sais reconnaître la grandeur chez un être. Ce garçon n'en a pas une once. Toi, oui. Je ne veux plus t'écouter. Lyle, reviens. Nous échangeons nos points de vue sur les origines de la grandeur. À votre avis, Danny, est-ce une noblesse qui s'acquiert ou serait-elle plutôt transmise de génération en génération? Ma foi, au vu des sacrifices que mes parents consentent pour mon éducation, je préférerais qu'elle s'acquiert. J'avais 16 ans quand je suis arrivé dans ce pays sans un sou en poche, sans même connaître la langue. J'avais non seulement perdu les biens familiaux, mais le respect dû à notre rang quand j'étais à Cuba, en Amérique. J'étais moins que rien, j'étais personne. Un métèque. Imaginez, c'est plaisant de se faire traiter de métèque. Alors j'ai travaillé à la plonge, j'ai lavé les assiettes des autres pour payer mes études. Aujourd'hui, quand je vais au restaurant, c'est différent. C'est un autre qui lave mon assiette. Et s'il m'arrive de regarder dans la cuisine et de surprendre un jeune garçon les mains plongées dans l'eau de vaisselle, je cherche tout de suite l'étincelle dans ses yeux. Celle qui va déterminer son avenir, celle que j'avais moi. Mais je n'y vois la plupart du temps que la résignation. La résignation et la médiocrité sont les malformations spécifiques d'une espèce inférieure, et il n'est pas question de les tolérer chez moi. Votre berceau a été caressé par les fées. Je pense que ça justifie ma sévérité, parce que je sais que l'esprit humain ne peut grandir que par la rigueur qu'il s'impose. Et vous deux, mes enfants, êtes appelés à un destin exceptionnel. Ce sont les sommets qui vous attendent, plus haut encore qu'on nous imaginait dans les rêves les plus fous. Vous comprenez ce que je dis? Oui, père. Je vous souhaite une bonne soirée. Très théâtral. Oui, on a l'habitude. Mais décode les mots cachés dans son discours. Mais tiens, Danny, prends ma voiture. Passe la nuit chez Craig. Tu dois avoir ta dose de Menendez pour une première fois. Je te laisse, je vais me coucher. Je suis un peu inquiet pour maman. Quand j'ai frappé à sa porte, elle n'a pas répondu, mais j'entends sa télé. Elle est probablement ivre morte. Écoute, pourquoi t'es toujours aussi cynique? Parce que papa m'a appris à être pragmatique dans la vie. Toi, t'es poète et moi, pragmatique. Bon, allez, viens. Oh, mon Dieu, des fois, je me demande qui sont les vrais parents ici. Maman! Maman! Maman, n'aie pas peur, on est là.
Oh non. Bon, eh ben tu te débrouilles avec elle. Comment ça, débrouille-toi avec elle? Appelle papa au moins. Je sais même pas où il est. Mais sûrement dans sa voiture, téléphone. Ça va aller, maman. Ça va aller, tu verras. Tu te sens un peu mieux maintenant? Je n'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Je sais, maman. Je me souviens de mes amis. Au collège, elles disaient... Quel dommage. Kitty mérite autre chose. Elle ne sera jamais heureuse avec ce Cubain. C'était mon héros. Avec lui, je me sentais... tellement bien. J'étais certaine qu'il irait loin. Il avait dit qu'il m'emmènerait avec lui. Elle se repose. T'as trouvé papa? Non, il n'est pas non plus au bureau. J'ai trouvé ça, dans la cuisine, en évidence, pour qu'on tombe dessus. Cher José, pendant 24 ans, j'ai vécu un rêve. Sur la fin, je me serais contenté d'une petite place, comme Margaret. Là où je vais, j'emporte les souvenirs d'amour qui me sont très chers, ceux de mes enfants et les tiens. Je t'embrasse, Kitty. Margaret, mais... Ne me dis pas que tu l'ignorais. Pourquoi crois-tu qu'elle était si malheureuse? Qu'est-ce que vous faites encore debout? Mais bon sang, où t'étais passé? Pardon? Maman avait avalé une boîte de somnifères. Tu as appelé le médecin? Elle n'a pas voulu, mais ça va mieux. Elle se repose. Heureusement que j'étais là, moi, pour la sauver! Et tout petit, je sentais déjà que mon père ne m'aimait pas beaucoup. Alors ça m'a fait plaisir quand il m'a proposé de me masser. Quel genre de massage? Quel genre de massage, Eric? Il commençait par des attouchements, avant de me brutaliser. Il disait qu'il y avait quatre sortes de jouissances. À genoux. Sans accessoires. Avec accessoires. Et le coït ordinaire. Qu'entendait-il par accessoire? Quand j'avais 13 ans, il s'est mis à utiliser des aiguilles, des cravaches. Il m'enfonçait des clous dans la peau, des cuisses et des fesses. Et vous n'avez jamais tenté de vous défendre? Une fois, quand j'avais 17 ans. Non, papa, je ne veux pas. L'angoisse est un phénomène naturel. Et si je le fais, c'est pour accroître ta force. L'histoire est riche d'exemples de ceux qui se livraient à cet exercice avant la bataille. Ça permettait aux légions grecques et romaines d'avoir de puissants guerriers, invincibles. Je t'ai dit non! Eric! Allons, calme-toi. Je ne veux pas te faire de mal. Retourne t'allonger maintenant. Après, il m'a violé. Vous n'avez pas pu l'en empêcher? Non. Vous avez saigné? Oui. Exigeait-il de vous des fellations? Il m'attrapait par les cheveux et me tenait la tête. J'en étais arrivé à verser de la poudre de cannelle dans son thé. J'avais entendu parler de ça à l'école. Dites-nous pourquoi vous versiez de la cannelle dans le thé de votre père. On disait que pour le goût, c'était moins écœurant. Pas d'autres questions. Quelqu'un aurait-il été témoin des abus sexuels de votre père à votre égard?
Non, il a toujours été trop vigilant. Vous n'avez jamais été médicalement suivi consécutivement à ses sévices physiques? Non. L'idée ne vous est pas venue d'en parler à quelqu'un? Un enseignant ou à votre entraîneur? Sûrement à votre thérapeute. J'avais trop honte d'en parler. Oui, bien sûr. Alors passons à un autre sujet. Dans le courant de l'été 89, vous souhaitiez ardemment entrer à l'UCLA. Je souhaitais m'éloigner le plus possible de chez mes parents. Jusqu'au moment où j'ai appris que mon père avait décidé que je coucherais à la maison 3 nuits par semaine et pas à la fac. Et vous en avez conclu quoi? Que ces atroces pratiques allaient continuer. J'étais terrorisé. Et j'avais même pensé à me tuer. Je ne savais plus comment m'en sortir. Pourtant, nous savons, d'après le témoignage de votre ami Ed Fenot, que vous avez décliné l'opportunité d'entrer au collège de Berkeley, ce qui avait beaucoup contrarié votre père. J'avais choisi d'entrer à l'UCLA parce que pour le tennis, ils sont plus performants. Ainsi, au lieu de vous installer à 700 km de la maison de votre père pour être à l'abri des harcèlements de votre tortionnaire, vous avez choisi un collège situé à 2 pas de chez lui? Vous avez des carences en géographie. Objection. Accordé. Je souhaiterais reconstituer les 5 jours qui ont précédé la tuerie, à compter du mardi. Vous avez prétendu, votre frère et vous, que durant cette période, vos vies étaient en danger. On était sûr que nos parents projetaient de nous tuer d'un moment à l'autre. Et d'où venait cette conviction? Ma mère avait déjà menacé d'empoisonner la famille. Elle avalait 30 pilules tous les jours, sédatifs et autres. Et mon père devenait de plus en plus enragé. Et que s'est-il passé précisément dans la soirée du mardi? Eh bien, ma mère avait une attitude étrange. Son père était malade au Canada et il était prévu qu'ils aillent le voir. Et ton père m'a dit, je ne veux pas t'accompagner. Il est soi-disant retenu par son travail. Et pendant ce temps-là, mon père n'a peut-être plus qu'une semaine à vivre. Rien ne t'empêche d'y aller sans lui. Pas de problème. Bien sûr. Bien sûr, et le laisser tout seul avec Margaret, ce serait le comble. Il y a toujours quelque chose. Les enfants, c'est le tennis. Ton père, ce sont les conférences au bureau. Mais moi, là-dedans, mon père agonise et tout le monde s'en fout éperdument. Oh, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. J'ai du toc. Oh, arrête. À tous les niveaux, ton frère n'est pas capable d'avoir une petite amie, mais ton père n'en manque pas, lui, en revanche. Et regarde-toi. Tu n'as même pas pu finir un semestre à Princeton avant de te faire jeter dehors. C'est un ramassis de perdants dans cette famille. Et riche à millions, ce qui est pire que tout. J'en ai assez entendu. Tu restes ici quand je te parle. Tu n'as pas besoin de cette perruque. Non mais qu'est-ce que tu crois? Que cette panoplie est indispensable pour ta carrière politique? Rends-la-moi. Il est hors de ton faucheton de père. Rends-moi ça, je te dis. Rends-moi ça, je te dis. Oui, d'accord, j'arrive. T'attends une seconde. Je ne savais pas que tu portais une perruque, ça fait longtemps. Je suis désolé. Tu sais, avec moi, il faut pas te gêner. Apparemment, on a tous des secrets dans cette famille. Oui. J'ai commencé à perdre mes cheveux à 14 ans. Papa a pensé qu'il fallait cacher ça. Allez, c'est pas grave. On s'y fait, je m'en suis remis. Il n'y a qu'à toi que je puisse faire confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-le. Ces choses avec lui, ça continue toujours. Quelle chose? Tu le sais bien, bon sang! Pourquoi tu m'as rien dit, Eric? Réponds-moi. Les
je croyais que papa avait arrêté depuis longtemps. Il continue à venir dans ma chambre 2 ou 3 fois par semaine. Il faut trouver un moyen. Et lequel? C'est sans espoir, Lyle. Je crois pas que je vais te laisser tomber, bonhomme. A-t-il tenu sa parole? Mon frère a toujours veillé sur moi. Après vos confidences sur ces violences sexuelles, vous avez eu 2 jours de répit chez vous puisque votre père était en voyage d'affaires. Donc, l'idée ne vous est pas venue d'en parler à votre mère ou à votre oncle Carlos ou même à un de vos amis pour chercher de l'aide? J'étais terrorisé et j'avais honte. Ça ne vous a pourtant pas empêché de pousser votre frère à des extrémités définitives. Objection! Accordé. Très bien. Alors venons-en à 2 jours plus tard et voyons ce qui s'est passé le jeudi soir. Votre père venait de rentrer. Tu te rends compte de ce que tu lui demandes? Ce que j'exige de mon fils ne te concerne absolument pas. Il est dans un état suicidaire et c'est ta faute. Ne va pas gâcher ta vie, Lyle. Reste en dehors de ça. Non. Il va quand même falloir que ça change ici. En effet, ce qui va changer, c'est que tu vas retourner à Princeton et que ton frère va intégrer l'UCLA, comme prévu. Et tu t'empresseras d'oublier qu'on a eu cette conversation. Si jamais tu reposes la main sur lui, j'en parle à tout le monde. Chacun est maître de ses choix dans la vie. Eric a fait le sien. Et toi, tu viens de faire le tien. Donc, le jeudi soir précédant le crime, votre frère a eu une altercation avec votre père concernant les violences sexuelles. Que faisiez-vous exactement, vous, pendant ce temps-là? J'étais effondré. Je n'arrivais pas à tenir en place. Alors je suis allé au salon et j'ai retrouvé ma mère qui regardait la télé. Tu le savais? Je l'ai toujours su. Tu me prends pour une idiote. Alors pourquoi tu l'as laissé faire? On ne m'a jamais aidé, moi, dans la vie. Maman. Rien que des rediffusions. Dis-moi, Eric, tu joues à quoi, au juste? Qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à ton frère? Ça devait rester entre toi et moi. On avait conclu un marché. Conclu un marché? Oui, exactement. Et tu ne l'as pas respecté. Là, il s'imagine pouvoir détruire ma carrière. Mais je n'ai pas l'intention de lui permettre. Est-ce que tu saisis? Va nous tuer tous les deux. Il vient de me le dire. Il a tu l'as menacé. Respire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Assieds-toi et calme-toi. Le mieux, c'est d'appeler la police. Écoute-moi. Il est riche et il a des amis haut placés. Les flics ne nous croiront jamais. Alors voilà ce qu'on va faire. On va rester là, bien tranquille, et réfléchir à une solution pour nous défendre, d'accord? D'accord. Et on a décidé d'acheter des armes. À la première heure, vendredi matin, on s'est rendu dans un magasin de Santa Monica pour acheter des armes et protéger nos vies. Et c'est là-bas que vous les avez achetées? Non. D'après le vendeur, il y avait un délai d'attente de 2 semaines pour un pistolet. C'était trop long pour nous. On aurait peut-être été morts d'ici là. Alors on a filé sur San Diego et on a acheté les fusils là-bas. Ça n'était pas spontané, mais plutôt une décision que vous aviez longuement mûrie avec votre frère. On vivait dans une ambiance de panique. Mais avec la présence d'esprit de conduire jusqu'à San Diego et de vous munir préalablement de faux papiers. Objection. Accordé. Alors, malgré vos mensonges précédents et vos insinuations selon lesquelles la mafia aurait tué vos parents, tout ce que vous dites maintenant, c'est la vérité. Vous confirmez? Je vous le confirme, c'est la pure vérité. Y compris pour les armes, y compris le magasin, y compris le détour jusqu'à San Diego? Oui. Y compris les violences sexuelles? Tout à fait. Tout est vrai. Parce que les seules personnes en mesure de confirmer vos déclarations sont décédées. Je comprends vos raisons, monsieur Kuriyama. Vous n'avez ni menti, ni inventé des faits ou des motivations en vue de convaincre les jurés de votre innocence. Non, pas du tout. Êtes-vous réellement allé à Santa Monica, dans le magasin Big Five, dans la matinée du 18 août 1989, pour y acheter des armes? Absolument. Je vous répète que j'y suis allé. Monsieur Menendez,
Savez-vous que le Big Five ne commercialise plus les armes depuis mars 1986? Jamie, vous avez connu les frères Menendez combien de temps avant la date du crime? À peu près 3 ans. J'étais fiancée avec Lyle. Donc vous connaissiez leur étrange et inquiétante aptitude à vouloir élaborer des histoires convaincantes? Objection. Accordé. Êtes-vous allé voir Lyle en prison? Plusieurs fois, oui. Et à l'occasion d'une de ses visites, il vous a parlé d'un film. À bout portant, avec Sean Penn. Tu vas louer la vidéo. Pourquoi faire? Tu verras une scène où un des personnages agresse la petite amie de son fils. Je pensais que tu pourrais dire à la cour que mon père a essayé de te faire la même chose. Lyle! Tu dis seulement qu'il t'a fait des avances. C'est pas compliqué. Et je veillerai à ce qu'une somme importante soit versée sur ton compte bancaire. Tu rigoles, je suppose. Ton père a toujours été correct avec moi. Jamie, c'est une question de vie ou de mort. L'argent a-t-il été versé sur votre compte? Non, et là, il n'en a plus jamais reparlé. Si vous voulez bien, j'aimerais que nous revenions à une conversation que vous avez eue il y a 2 ans avec Eric. Dis donc, tu tiens la forme. Salut, Jamie. Et toi, ça va? Ça va. J'attends ton frère s'il se décide. En principe, il m'emmène au cinéma, à condition qu'il veuille bien décoller de sa glace. Il est pire que certaines de mes amies. Tu sais, c'est à cause de sa perruque. Il passe des heures à essayer de la mettre en place. J'en suis malade pour lui. Tu parles d'un handicap? Ah, alors vous, le souci numéro 1, c'est la calvitie. Pour nous, c'est la culotte de cheval. Avec sa perruque, remarque, il est toujours impeccable. Encore heureux, elle lui a coûté pas loin de 4 000 $. Non, c'est pas vrai. Comment tu sais ça? Rappelle-toi, juste avant d'entrer à Princeton, il était venu me voir à Birmingham. Il voulait faire bonne impression pour la rentrée. Alors on est allé chez un perruquier. On dirait que ça rigole ici, on pourrait savoir pourquoi. Eric Menendez nous a déclaré avoir appris que son frère portait un postiche quelques jours seulement avant l'assassinat. Et c'est ce qui l'aurait poussé à lui parler de ses malheurs sexuels. Jamie, êtes-vous certaine qu'il en connaissait l'existence plus tôt? Des mois plus tôt. Au moins depuis février ou mars. Sur ces photos, on vous voit, vous et votre frère, tout nus. Et la tête rasée. Qui les avait prises, Lyle? Mon père. Quand on se douchait ou quand on se changeait, je me souviens plus. Vous aviez quel âge quand il exerçait ses perversions sur vous? Entre 6 et 8 ans. Ça commençait en général après le sport. Avec des massages. Quand j'ai eu 7 ans, il a changé ses habitudes. Il me mettait à genoux. Quand j'y pense, c'est abominable. Et pour finir, il s'amusait avec une brosse à dents. Enfin, c'est une brosse à dents. Disait, c'est pour ton bien que je fais ça, et pas à moi. Et il me menaçait des pires représailles si j'en parlais à quelqu'un. Il m'arrivait d'emmener Eric dans les bois et m'amuser avec lui à la manière de papa. On m'avait appris que ça. Pardonne-moi, Eric. Mais votre mère, que faisait-elle pendant ce temps? Oui, c'est une bonne question. Pouvait-elle ignorer ce qui se passait? Elle disait que ma naissance avait gâché sa vie, qu'elle aurait pu être actrice,
La vérité, c'est que elle ne m'a jamais aimé. Je n'ai pas d'autres questions. Puisque nous abordons le sujet de votre mère et de la nature de vos relations avec elle, j'aurais une petite question. La voici. Dans la nuit du meurtre, Eric et vous avez parlé d'une dispute avec vos parents, à la suite de laquelle vous vous seriez précipité au salon pour ouvrir le feu. Quand votre père avait le fusil braqué sur sa tête, où était votre mère? Autant que je me souvienne, elle essayait de se glisser derrière le guéridon sournoisement. De se glisser? Comme si elle préparait un mauvais coup? Oui, j'avais cette impression. Je doute que cette insinuation soit le reflet de la réalité. Elle essayait plutôt de s'enfuir, non? Objection! Accordé. Quand vous avez posé le canon de votre fusil sur la joue de votre mère, quand vous avez senti sa chair frémir, l'aimiez-vous à cet instant? Oui. J'aimerais revenir aux deux jours qui ont précédé la tuerie. Vendredi, vous avez acheté les fusils. Que s'est-il passé le samedi? On s'est levé de bonne heure et on est sorti en douce. On ignorait ce que nos parents avaient projeté, à part une partie de pêche en mer, à laquelle justement on voulait échapper. À quelle heure êtes-vous rentré à la maison? Vers 4 heures. Mais ils avaient reporté la pêche à l'après-midi, alors du coup on était coincés. Nous étions presque certains que ça cachait un piège, et qu'ils essaieraient de nous tuer à bord. Ça ne vous semble pas extravagant que votre père, qui était loin d'être stupide, ait pu envisager de vous tuer en présence de témoins? On ne savait plus quoi penser. Si j'ai bien saisi vos déclarations, votre frère et vous avez vécu cette journée sous le signe d'une terreur constante. Oui, dès le moment où nous nous sommes levés le matin, jusqu'au soir où nous nous sommes couchés. On savait que le temps jouait contre nous. Monsieur Walker, que faisiez-vous chez les Menendez le samedi 19 août, la veille du massacre? J'étais venu nettoyer la piscine. Je souhaiterais rappeler aux jurés que les frères Menendez ont déclaré sous serment avoir quitté le domicile tôt le matin, du fait de la peur que leur inspiraient leurs parents, et n'y être revenus que vers 4 heures. À quelle heure étiez-vous sur place, Monsieur Walker? À 2 heures. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Eric, dépêche-toi! Tu avais dit que c'était le dernier set. Alors maintenant, il est temps de prendre votre douche. Sinon, on va être en retard à la marina. Ça ne me dit rien d'aller pêcher. On va se geler en mer. José... Écoutez, j'ai eu du mal à trouver un bateau pour organiser cette sortie. C'était prévu en famille. Par conséquent, on y va en famille. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Je sais pourquoi tu tiens à ce qu'on y aille. C'est parce que t'as dit à un de tes copains actionnaires que t'étais un champion de la pêche au gros. Ça suffit, Lyle. Comme tu connais rien, tu veux t'entraîner. Rentrez tous les deux. Tout de suite. La ferme. La ferme. Personne n'a le droit de nous dire ce qu'on doit faire. Personne. Le témoignage de M. Walker a clairement établi que Lyle et Eric n'étaient pas terrorisés, mais courroucés. Et leur insolence avec leurs parents décrédibilise leur système de défense basé sur la peur. Lyle et Eric Menendez sont des acteurs dont le talent égale celui des meilleurs. Et ce sont des menteurs aussi au service d'une cause assassine. Le récit déchirant de leurs sévices sexuels est une fiction très adroitement élaborée pour justifier leur crime. Nous ne prétendons pas que Lyle ait agi raisonnablement. Il a cru voir des indices. Et il les a mal interprétés. Mettez-vous à la place d'Eric. Essayez de comprendre sa peur. Une fois acculé au désespoir, c'est vers son frère qu'il a cherché une main secourable. C'est ainsi que ça s'est passé. On y va. Sur quoi tu travailles ? La candidature d'Eric à l'UCLA. Maman!
Dans le procès opposant le ministère public à Eric Menendez, nous regrettons de ne pouvoir aboutir à une décision unanime sur aucun des chefs d'accusation. Les positions n'ont pas changé après 3 semaines de délibération. Maman n'est pas morte. Je reprends des cartouches. Il est impossible que nous parvenions à un verdict sans exercer une pression sur nos convictions respectives. En conséquence, le jury étant dans une impasse, je déclare le vice de forme en la matière. Dans le procès opposant le ministère public à Lyle Menendez, nous regrettons de ne pouvoir aboutir à une décision unanime sur aucun des chefs d'accusation. Le jury étant dans l'impossibilité de statuer, je déclare le vice de forme en la matière. Les jurés sont déchargés désormais de toute participation ultérieure à cette affaire. Maintenant. Ainsi que l'a dit l'accusation, nous avons le devoir professionnel et moral de renvoyer l'affaire devant une autre cour. Peu importe les frais qu'il en coûtera, justice doit être rendue. Je ne crois pas qu'au début de ce procès, les jurys étaient convaincus que ces deux jeunes hommes avaient été violés, que leur motivation était la terreur. Mais à présent, il est évident qu'un grand nombre de personnes ont compris la situation. C'est notre société qui sort perdante dans cette affaire, dès lors qu'on peut tuer sous couvert d'impressions subjectives en toute légalité. Et c'est terrifiant pour l'avenir. Il est exclu qu'aucun jury en son âme et conscience puisse condamner Eric Menendez pour meurtre au premier degré.